Yo tout le monde, c'est Deto, on se retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo sur la rerun qui vient d'arriver. Comme il y a une montre dedans, je vais invoquer car il me manque 7 pièces de la montre. Donc vu qu'il faut 5 pièces plus 5 pièces pour les deux chipsets là, plus les 3 pièces de base, donc en gros ça veut dire qu'il vous faut invoquer, sachant qu'on a 5 pièces par cycle, donc... Il faut faire 13 multi pour récupérer la montre, hein, vu qu'il faut 5, 5 et 1, 1, 1. Donc 13 multi suffiront pour récupérer la montre. Donc moi, j'en ai que 8 multi à faire, car j'ai déjà des pièces de la montre. Donc on va la récupérer. Et en même temps, on va essayer de récupérer... Il y a un triple Z sûr que je n'ai pas. Donc le vaillant que je n'ai pas. Les autres, je les ai. Après, dans les double Z, il y en a 2 ou 3 que j'ai pas. Donc si on les récupère, tant mieux, hein. Les triple Z boost le vol Yokodori, enfin un petit boost, hein, et c'est une chance d'avoir le boost bien sûr, hein, si vous la mettez dans votre team. Et je vous mettrai sur le côté ce que font les 3 triple Z, hein, comme ça vous pourrez voir ce qu'ils font. Ou si vous voulez voir aussi les double Z, n'hésitez pas à rejoindre le Discord car le médaillon est à jour, enfin par rapport à l'avant-dernier event, parce qu'on n'a pas encore mis les derniers yokai qui sont dans yokai event. Et comme ça... N'oubliez pas de prendre le rôle puni-puni, sinon vous verrez pas les salons. On espère aussi dropper les deux triple Z qui nous manquent, donc de l'événement, hein, je parle. Donc le vaillant et le mystérieux. Le mystérieux est très bon, hein, je tiens à le dire, attention. Il est très très bon, il sera vraiment utile même pour d'autres events, même s'il a pas de boost, parce qu'il a son recharge les autres amultimes et tout. C'est vraiment très très bien ça. Et il est pré-fil et ses punis peuvent déjà tomber gonflés. Donc vous avez l'amultime très très vite si vous avez skill 5. Donc c'est parti, faire les 8 multi. En espérant, eh ben, avoir de la chance, hein. On a fait la pièce au temple, on a eu 3 messages. C'est pas ce qu'on voulait, mais bon, c'est pas grave. Première multi, doré, bon ok, doré, hein, normal. Hein. Je pense que on va ouvrir directement la dorée. En espérant avoir des arcs-en-ciel, s'il vous plaît. J'aimerais bien avoir des arcs-en-ciel directement, ça serait pas mal. Hop, on continue sur la lancée. On continue sur la lancée. Donc là, on a récupéré donc, le truc qui sert à augmenter de 150 la vie pendant 30 minutes. Deuxième multi. Et là, on récupère les pièces qu'on veut pour la montre. Parce que vu qu'il nous manque... c'était combien? 5, 6, 7 pièces. Donc c'est pour ça que je fais 8 multi. Ah, malheureusement, la multi qu'on voulait pas voir. Hein. Là, il nous faut de la dorée et de l'arc-en-ciel pour les double Z, quoi. Hein. Aussi. Et l'arc-en-ciel, c'est... L'arc-en-ciel est... C'est chiant d'avoir des yokai dedans. Hein. Donc, troisième multi. Bon, après, ça peut arriver. Hein. Vous avez vu, hein, j'ai déjà eu du Z d'un autre event dans une dorée. Sachant que je savais même pas que j'allais avoir quelque chose. L'arc-en-ciel est là. Est-ce qu'on peut en avoir deux? Bon, maintenant, c'est ce qu'on espère. C'est d'avoir un nouveau. Et pas un doublon. Et ça, ça serait bien parce que... Ça ferait chier d'avoir un doublon. Parce que je crois que j'ai pas tout à Muset. Bon, après, les doubles Z, je n'ai pas à Muset, ça c'est sûr. S'il vous plaît. Ok, let's go. Oh, imaginez-vous, c'est celui-là de l'event que je veux. Bon, c'est un double Z que j'avais pas. Sachant que les double Z que vous voyez, qu'ils ont rajouté de la rerun, vous pouvez les récupérer dans la pièce double Z qui est dans le palier 8. Enfin, vous pouvez en récupérer un. Moi, j'ai une pièce double Z encore dans la box. Donc, ça veut dire que si je récupère celle du palier 8, j'en aurai 2. Donc, il me manque, je crois, 8 ou 8 yokai dans la pièce. Donc, en vrai, si j'arrive à récupérer ceux que j'ai pas là, je pourrais prendre des yokai que je n'ai pas. Ça servira pour la collection, vu qu'on n'a pas les skills 2, bien sûr, qui seront à l'achat directement dans la boutique, comme vous pouvez le voir ici à la base. Quand il y a une rerun, ils mettent les pièces ici, là. Donc la bronze, c'est pour donner, enfin, avoir le skill 2 du Z. La grise des double Z, la dorée des triple Z et l'arc-en-ciel en haut, enfin la platine on va dire, ou la diamant même, ça sera pour les UZ. Parce que quand vous allez récupérer sur une rerun des UZ ou des triple Z ou ainsi de suite, ils n'ont pas leur skill 2. Et souvent, il y en a, ils ont des bons skill 2, donc ils mettent les pièces directement à l'achat et non
gratuitement, entre guillemets, parce que ça, tu les récupères, en fait, vous les récupérez quand vous faites l'event là où il sort, en fait. Doré. Bon, j'espère qu'on aura plus qu'une multi arc-en-ciel, ça serait bien. Parce que, voilà, quoi. On est bien monté en quartier grec, je suis content. Je suis content. Je pense à la fin de l'event, avec les tampons, je vais finir l'event à... Enfin, si tout se passe bien au tampon, bien sûr. Au moins à 400 000 quartier grec, ça serait bien. Comme ça, au moins, je serais bien pour les autres events, là, parce que... Quand t'as pas beaucoup, c'est un peu en PLS. Deuxième arc-en-ciel, avec une dorée. On va voir ça. Fiche ! Dommage. Tu peux me donner double Z aussi dans la dorée, hein. Oh yes! Ah, ça c'est bien. Franchement, que je trompe les nouveaux. Ah, il y a des double Z encore. Ok, double Z que je n'ai pas. Je crois en double Z, il m'en manque que un maintenant. Il me semble qu'il y a un insaisissable que j'ai pas. Sinon, les autres, je les ai, il me semble. Mais je suis pas sûr. Ok, des livres d'Amutim, je prends. En vrai, il y en a besoin pour le prochain événement. Parce que sachant que ça va pas être un event de farm de base, si c'est un Oajiki. Faudra monter à multim 7 les yokai pour faire plus de dégâts. C'est parti pour la sixième multi. Passons les doigts d'avoir encore de l'arc-en-ciel. En vrai, j'aimerais bien récupérer le triple 7 que j'ai pas. Ça serait pas mal. Ok, très bien. Très très bien, troisième arc-en-ciel. Ça nous en met deux, hein. Il change le jeu. Ok, bon, dommage à Doré. Allez, s'il te plaît, Doré. Ok, et là, un qu'on a pas. Et malheureusement, on peut pas gagner à tous les coups. Ok, ok, un doublon de la double Z. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Plus que deux multi pour avoir une chance de avoir les deux derniers qui nous manquent. Bien sûr, il y a aussi deux qu'on n'a pas de l'event, mais je crois pas qu'on va le dropper sur la rerun, bien sûr, parce que le taux est très très bas. Mais peut-être qu'on a de la chance. Ah, une seule aussi, ah, l'abus. Et ta maman, toi! Lui, je crois qu'il est, il est très bien, lui. Hein. Je crois que c'est un préfil, lui. Il est bien, lui. Ok, d'accord. Vu que j'ai la mucette, à mon avis, il est bien. Hein. Aïe, 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 Kalama Kalayu. Allez, dernière multi. S'il vous plaît. Au moins le triple Z. Ou un triple Z qu'on n'a pas. Si vous voulez pas me donner la rival, moi, ça m'arrange. Ok. Allez, s'il vous plaît, deux. Ok, mais écoutez. Allez, 3 dorés. C'est là l'heure de vérité. Dommage. J'aurais bien voulu avoir un nouveau là. Ok. Allez, s'il te plaît. Oh, j'ai raté. Ah, pas de doublon, s'il vous plaît. Ah oui. Bon. Bah ouais, mais c'est peut-être le double Z. Ouais, c'est ce que je pensais. Je savais pas celui-là. Mais je le savais. Bon. On a, je crois, tous les double Z, donc ça, c'est bien. Maintenant, il faudrait le triple Z dans la dernière, s'il te plaît. Dommage. Bon, bah, c'est pas grave, on n'aura pas récupéré le triple Z, tant pis, hein, bon. Je suis pas forcé, il y aura une prochaine rerun plus tard. C'est pas très grave, on a récupéré toutes les pièces qu'on voulait pour la monte. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, l'abonnement sur YouTube, de nous rejoindre sur Twitch pour les lives d'autres jeux. Là, on va commencer un nouveau jeu. C'est quoi déjà le jeu? C'est un jeu monde ouvert, free-to-play, en mode un peu Destiny, Warframe, là. J'ai bien aimé un petit peu le truc. J'ai commencé un peu. Et on va faire ça, je pense, sur Twitch. Et n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour rejoindre la commu Punipuni. Ainsi que d'autres communes, parce qu'il y en a qui jouent à de tout dans le Discord. Et n'oubliez pas de prendre le rôle Punipuni si vous voulez voir les salons Punipuni, sinon vous ne les verrez pas. Donc je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye.